Bonjour, peuple du chemin du ciel. Voilà, je m'appelle Amonsan Lucie. Je vis actuellement en France depuis près de 22 ans. Et aujourd'hui, si je viens faire ce témoignage, c'est parce que, pas par les réseaux sociaux, mais en venant à Abidjan, j'ai appris l'existence du Papa Florian. Et bon, au début, j'y croyais pas trop. Mais depuis 2019, j'ai commencé à consulter ses vidéos, à voir ce qu'il faisait et tout. Et c'est comme ça que j'ai décidé de contacter Papa Florian. Depuis 22 ans que je vis en France, donc je ne travaille pas. J'ai des enfants. Je ne connais pas la joie du mariage non plus. À chaque fois que je prends quelqu'un, ben, c'est toujours la même galère. Quand je trouve un travail sans raison, on me demande de partir. Si ça a trop duré, c'est un mois et demi, hein, même pas deux mois. Et c'est de problème en problème, de gauche à droite. En fait, c'est comme si ma vie, elle était au point mort. Et voilà, depuis que j'ai commencé à utiliser les éléments de Papa Florian, c'est-à-dire depuis que je les ai reçus le 29 avril, tout va bien. J'avais postulé pour une offre dans un restaurant et tout. Et j'avais réussi au fait à tous les tests, mais pas de suite. Pendant des mois, pas de suite. Moi-même, je comptais même plus là-dessus. Et à partir du moment où j'ai commencé à utiliser les aimants de Papa Florian, ils m'ont appelé. Et donc, depuis un mois, je travaille. J'ai un contrat pour l'instant en CDD. Mais bon, je sais que le Dieu de Papa Florian va faire. Je signerai un CDI. Et vraiment, je tenais à le remercier. Vraiment pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va continuer de faire dans ma vie, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que toutes les portes sont en train de s'ouvrir. Le travail, bon, j'avais déjà mon appartement, mais vraiment ça se passe très bien au travail. J'ai pas de problème avec mes collègues, au contraire, on m'apprécie. Moi-même, je suis là, je suis étonnée. Donc vraiment, je tenais à dire merci infiniment. Et voilà, donc par contre, côté sentimental, c'est toujours le chaos. Mais moi, je ne prie pas dans ce sens parce que j'ai connu tellement d'échecs que voilà, j'ai 8 enfants. Je suis maman de 8 enfants que j'ai élevés toute seule. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est pas de trouver un homme pour refaire ma vie. C'est plutôt comment réussir et venir un jour construire au pays, réussir l'avenir de mes enfants et pouvoir aller de l'avant. Réaliser dans ma vie aujourd'hui, vraiment c'est ma prière. Et je tenais encore à faire un gros coucou à JP de la chorale que j'adore, il chante très bien. Merci le frère Pi et aussi au bishop Fulgence pour ses paroles édifiantes qu'il nous envoie tous les jours. Donc au revoir peuple du chemin du ciel et à très bientôt pour d'autres témoignages.